Nous revoici donc pour quelques nouveautés qui viennent de rentrer dans la boutique. Alors, ce petit bloc de chez Craft O'Clock en 20-20, je l'ai pris uniquement en 20-20 parce que je trouve que le format est sympa. Donc, c'est My Sweet Treasure. Donc, on va le regarder ensemble parce que ça m'a l'air bien joli. C'est pour les enfants. Donc, vous avez 24 pages. Et combien de fois? Et 4 fois les mêmes pages. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on a déjà sur la couverture 4 jolies étiquettes. Donc c'est mixte hein, puisque vous avez une couleur un peu saumonée et leur vermante, vert d'eau, vermante, que je trouve très jolie. Alors là par exemple on a un petit lion sur un nuage avec un mobile au-dessus, un petit oiseau. Et ici, une baleine avec un arc-en-ciel, façon un petit peu macramé. C'est super tendance. Alors, voilà pour cette page de couverture. Ah ben là, on la voit en plus grand, en fait. Alors, ici, on a dans la montgolfière. Alors, ce sont des petits animaux, hein, puisqu'on a un zèbre ici, un tout petit oiseau. La baleine qui est portée par des ballons de baudruche et puis des petits oiseaux. C'est vraiment très poétique. Et ici, regardez ce petit lapin qui, avec sa canne à pêche, a attrapé une étoile. C'est super mignon. Et des nuages. Là, vous avez des dice de nuages aussi dans la boutique pour assortir avec. Alors là, on a un léopard dans sa montgolfière, je pense. Je dirais léopard. Et en bas, on a une licorne, pareil, portée par des ballons. Ici, des étoiles. Alors, vous pouvez aussi utiliser les dice d'étoiles. J'en ai rentré une très jolie marque de chez Nelly Snellen avec des petites perforations. Vous pouvez faire du crochet aussi avec, puisqu'il y a des perforations dessus, autour. Ici, on a un fond avec tous les petits animaux. Alors, il y a du pareil à couleur top, un peu, si vous avez l'encre Versa Magique, vite, même le vieux rose, ça peut aller. Ou alors, Sahara Sand, hein, qui est couleur, on va dire, marron sable, un peu top. Des losanges. Et j'allais dire, on est reparti. Donc ça, c'est le motif qu'on a sur les petites étiquettes également. À l'arrière, des taches et des petits pois dans les verres. Ici, donc, les motifs dans les verres également. Qu'est-ce que c'est mignon. Les étoiles. Et on est reparti, donc, avec 4 fois les mêmes motifs. Donc, ça, c'est pour le bloc en 20-20. Mais avec, ils ont sorti... Alors, j'ai pris... pour agrémenter tout ça, vos albums. Donc, je n'ai pas pris le junk. J'ai pris... alors, ça, ils appellent ça des labels. Donc, un set de labels, d'étiquettes rondes. Donc, dedans... c'est toujours assorti. Là, vous pouvez les découper avec des perforatrices ou des dice ronds, par exemple. On a 3 fois les mêmes pages. Donc, on a... en fait, on a 2 pages de chaque... Et on les a 3 fois. Comme ça, si vous voulez faire 2 albums, eh ben, vous en avez assez. Ou même des cartes, hein, des faire-part de naissance ou autre chose, d'anniversaire. Petite carte d'anniversaire. Donc voilà pour les labels. Et là, donc, ce sont les extra cuts. Donc on a 2 fois 9 pages différentes. Donc là, on va les regarder puisque je voudrais savoir à quoi ça correspond. Waouh, les beaux nuages! Oh là là, mon Dieu, ces petits oiseaux, que c'est mignon. Comme c'est joli. Donc là, on a 2 fois la même chose. Donc, je vais enlever la moitié du paquet. Donc là, sur la couverture, on a déjà tous ces petits éléments à découper. Ou à l'arrière, donc vous avez, donc c'est sur un fond coloré, vous avez le blanc, le contour blanc qui vous donne, on va dire, l'endroit où découper. C'est plus simple comme ça. Alors on a la page de couverture, ici on a des nuages. Alors comme elles sont recto verso, vous voyez là vous n'avez pas de contour, c'est vraiment le fond blanc. Alors peut-être qu'on les voit mieux sur le fond blanc que sur le fond coloré.
Allez, je vais vous les montrer dans ce sens. Donc on a des nuages avec des ballons de baudruche et les baleines qui portent des cadeaux. Notre petit tigre ici sur la baleine et ici des oiseaux qui portent la baleine. Alors il y a celui-ci. Là on a les montgolfières avec les petits léopards, des cœurs. Regardez comme c'est mignon. Waouh, les montgolfières. C'est vraiment super joli. Le mobile. Ici on a la licorne et puis un zèbre. Alors c'est un petit peu dans tous les sens. Donc on a des zèbres, des petites licornes. Alors il y a deux tailles différentes. Ici on a des montgolfières avec les zèbres en montgolfière ou en train de voler avec les ballons. Là aussi c'est super joli. Oh là, on a des petits lapins. Alors là, des petits lapins qui volent sur une c'est quoi ça, un flamant rose, je sais pas trop en fait, peut-être un flamant rose. Donc les petits lapins de différentes tailles, une couronne de prince. Ici le cheval à bascule avec des petits lapins sur la lune. Ici on a encore, c'est pas la même chose, il y a des montgolfières, non c'est pas encore la même chose. Donc on a l'écureuil avec des super beaux yeux, regardez ça. Ensuite ici cheval à bascule, ballon montgolfière et la collection de petits oiseaux, des moineaux. Ici on a des petites chaussures, oh, il y en a des choses, hein. Des petites chaussures, des lapinous, des doudous, des petits jouets, l'arc-en-ciel en macramé. D'ailleurs si vous allez en Touraine à Èvre sur Indre, vous avez une mercerie qui s'appelle Loisirs et Mercerie, et là vous pouvez trouver des kits pour faire ces arcs-en-ciel en macramé avec de la corde et tout ce qu'il faut, des petits kits dans les 10 euros je crois. Ça vous fait une jolie déco comme ça de chambre, c'est tout mignon. Là on a la même, presque la même chose. Oui, alors un dans les tons vieux rose et un dans les tons verts en fait. Oui, c'est la même chose mais dans les tons différents. On va dire garçon-fille. Et ici, on a des ballons, des oiseaux, des nuages. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Une petite chouette. Et des nuages. Voilà pour les extra cuts. Donc ça, c'est assorti à ce bloc en 2020. Bon, je rangerai ça plus tard. Pour aller avec ça, je vais remettre les papiers par ici. Je vous propose du ruban. Alors, du ruban satin vert d'eau et un, je crois que c'est pastèque, la couleur un peu orangée. Vous avez aussi chez Crafter Compagnon, donc cette jolie dentelle ajourée. Donc, c'est pas ce ruban. Donc, vous passez le ruban comme ça, dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà pour une petite déco. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ça j'adore. Donc ce sont des encreurs comme ça avec les mousses pour ancrer les bords des papiers ou teinter vos papiers. Et vous avez aussi trois mousses de rechange. Donc vous avez six mousses en tout. Donc c'est Studio Light qui fait ça. Et j'aime beaucoup les couleurs là. C'est Trigger Lee hein, dans nos scrap rooms. Là c'est waouh, top. Et une autre petite collection que j'ai prise pour les garçons. Donc c'est Robot Aventure. Donc avec, vous avez le ruban satin qui est couleur marron glacé ou le bleu clair qui est un peu comment dire, vous voyez, c'est pas du bleu flashy hein. C'est un bleu clair, un peu couleur jean mais beaucoup plus clair quoi. Ah, c'est très joli. Alors ça va super bien avec. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien ce sont des pages comme ça avec des fonds un peu style industriel avec des métaux rouillés. L'idée c'est ça apparemment, donc toujours chez Craft O'Clock. Donc là vous avez à l'arrière quatre images, donc façon un petit peu bidule
bidule construit avec de la récup ferraille. Donc on a des ampoules, on a des rouages, on a des murs en briques et toujours ces petits monstres en ferraille. Les fonds sont très jolis. Alors ça, même pour faire des cartes masculines, eh bien même si vous ne mettez pas le côté avec les petits monstres comme ça, vous avez de super jolis fonds. Regardez ça. Vraiment, les couleurs sont superbes. Rien que pour les fonds, regardez, c'est très très joli. Là, pareil, hein, si vous n'aimez pas le côté enfantin, vous pouvez toujours, j'allais dire, le recycler, l'utiliser pour quelque chose de masculin. Ici, pareil, on a tout un tas d'ampoules, des petits véhicules, et à l'arrière, mur façon rouille. Tout ça, des rouages, ça fait très industriel. Des jolis fonds. Et voilà, on est reparti pour 4 fois les mêmes pages. Voilà pour ce petit robot aventure. Quoi d'autre? Sont revenus en stock les papiers, les extra cuts, tout ça, vintage beauty, les junk journaux. Vous avez aussi qui est arrivé des extra cuts Hello Boy, Hello Girl, qui vont aussi avec les junk assortis aux albums en 2020 et en 15-15. Je vous ai fait des tutos il y a une semaine à peu près là-dessus. Vous pouvez les trouver gratuitement sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Et vous avez un petit coucou de Sweetie qui en profite pour aboyer. Voilà, c'était les petites nouveautés du jour. Eh bien, on se retrouve cet après-midi pour notre live. On va continuer ou peut-être même terminer cet après-midi l'album Cocooning. Cocooning fleuri. Voilà, on se retrouve cet après-midi. À bientôt.